Je cherchais un appartement depuis 2 ans, puisque c'était pour ma retraite en fait. Je ne me voyais pas finir à Paris et je ne voulais pas être loin de mes enfants, puisque j'ai des petits-enfants. La Normandie, pour moi, c'était très bien. La première fois que j'ai visité l'appartement, c'était même pas à rafraîchir, c'était vieillot, tout était à refaire. J'ai vu ce toit cathédrale et j'ai été emballée tout de suite. La demande du client était de créer un espace jour et un espace nuit. La solution a été un grand espace du type loft. Alors là, vous vous trouvez dans la partie salon. La petite astuce, ce sont 3 lits. Alors lorsque je reçois mes petits-enfants, ils peuvent aussi dormir. Ce qui, moi, me plaît le plus, c'est ce mur en briques que nous avons découvert. Ici, on a remis en valeur la brique qui existait sur les deux pignons du loft. La raison, c'est parce que la brique est un matériau qui a une bonne inertie thermique. Et la deuxième raison, c'est que cela montre l'authenticité du construit, du bâtiment. Ce qui est intéressant ici, c'est mettre en valeur ce matériau pauvre en l'encadrant avec des panneaux blancs. Vous pouvez constater aussi le toit. C'est un toit cathédrale. Et ces poutres qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Sur une partie des combles, il y avait un faux plafond. Quand on l'a démoli, on a découvert une charpente en très bon état et de très grande hauteur. On a décidé de la rénover. Et ainsi, on a une hauteur sous les toits qui est très agréable pour le loft. Nous avons des fenêtres de part et d'autre. Il y en avait qui étaient existantes, qu'on a remplacées à l'identique. Il y en avait qu'on a créées, qu'on a couplées ensemble avec la pièce de charpente qui passe au milieu. La décoration de cet appartement, c'est un esprit jeune, moderne, avec quelques petits objets anciens ou souvenirs de voyage. Ici, nous arrivons dans la cuisine, cuisine ouverte, nous sommes sous la tourelle. C'est une cuisine toute simple, pratique, très conviviale. Le petit salon de lecture, c'est ma petite bibliothèque que j'apprécie beaucoup. Et là, vous passez donc sur le côté repos, côté nuit. Lorsque vous êtes ici, vous avez une perspective d'un côté à l'autre, mais on a une sensation d'immensité, de profondeur. Pour contrôler la température ici sous les combles, il y a une double isolation, il y a laine de roche plus un produit qui est en multicouche. C'est un produit qui fait de l'ordre de 1,5 cm d'épaisseur et qui a une efficacité de l'ordre de 20 cm, qui permet donc d'économiser pas mal d'épaisseur et qui permet de faire ressortir les poutres. Là, nous arrivons devant le bloc salle de bain. Pour gagner de l'espace, la porte est coulissante. Alors, c'est une petite salle de bain très pratique, avec toujours une fenêtre de toit, mais là, avec un occultant spécial salle de bain. Et vous avez une baignoire et puis un lavabo. Pourquoi l'orange? Parce que c'est un petit peu de dynamisme. Avec mon âge, je trouve qu'il y en a besoin. J'ai rénové, oui, les 47 mètres carrés Lois Carrez pour une enveloppe de à peu près 40 000 euros. La durée du projet a été de 3 mois, et ce, depuis la démolition jusqu'à l'achèvement total des travaux. Dans mon appartement, je me sens très bien, je retrouve la paix, la sérénité, et la modernité, et puis je me sens zen.